Attends, une vraie vie, voilà, alors ça c'est le truc super aussi, oui, c'est la vraie vie, dans le nous voilà dans, dans le réel, nous sommes, nous nous sommes dans la vraie vie, la, vente vente vie vente. La, la, revine, la vraie vie c'est la banque Rothschild, la vraie vie c'est l'ENA, la vraie vie c'est Sciences Po, et la vraie vie c'est de se faire sa fortune sur la vision acquisition, voilà votre vision la vraie vie. On le sait, dans l'impitoyable jungle de la publicité, face à la concurrence acharnée et à la course au spectacle, il s'agit parfois, en beau à constricteur digne de ce nom, de savoir faire peau neuve et revenir à l'essentiel. L'essentiel est dans l'actel. Assez d'épidermes soyeux nimbés de blurs photoshop, d'épinales mensonges ou d'idylles artificielles, soyons subversifs et modernes que diable Vrai goût des bonnes choses, vrai rides, vrai pesticides, yaourt au vrai morceau de fruits, vrai ersatz et vrai cancer contre parade en plastoc, mannequin poupée, faux bio de la vieille garde, etc. etc. Aujourd'hui, on vous le dit main sur le cœur, vrai de vrai, la vie vaut bel et bien d'être vécu, mais attention, pas n'importe comment. On a tôt fait de se perdre dans la vie la fausse. Quand de toute évidence, ce que l'on désire au plus profond du fond de notre petit cœur diaphane, dénué d'hypocrisie ou petitesse, c'est la vie la vraie. La vie la vraie. Au champ. Laissons donc les hommes de raison et de patrimoine manufacturer le bonheur à notre place et surtout restons-y à notre place. En temps voulu, la publicité vous dira où, quand, comment et bien sûr à quel prix. S'offrir une vie toujours plus vraie, parfois même en promo, alors faites-vous plaisir, il faut s'offrir pour être belle, les vont plus vrais que blancs merci encore affiche ou spot d'avoir éclairé le chemin difficile du retour aux choses simples ne passons pas à côté des choses simples en somme on n'arrête plus la publicité dans un maniement obsessionnel du vrai vrai à rendre jaloux n'importe quel real politiqueur et notre sujet du jour sera donc la recherche de la vérité honnête dans le monde faux et manipulatoire de la publicité la vérité plus vraie que nature morte probablement et pour rentrer dans le vif du sujet côté nature morte, quoi de mieux que les étals opulents dégorgeant poiscailles, barbac, sucre et yaourts, des super superettes et autres intérêts, monopérettes, intermono, multijoueurs, etc. Vous l'aurez compris, cette émission sera placée sous le signe du supermarché et de l'hyper arnaque au réel, à travers quelques formes atypiques et pernicieuses de la publicité, notamment des courts-métrages qu'on ne montrera pas entièrement et on s'intéressera en particulier à la recherche d'une intimité avec le spectateur via un effet de réel, avec aussi un effet d'anonymat, d'effacement de la marque au profit du produit et des consommateurs, et si l'alignement des astres nous place bel et bien sous le signe du supermarché, on commence par un petit crochet de début d'épisode à La Simpson, sur quelque chose qui n'a a priori rien à voir, avec une petite carte postale de derrière les fagots, venue soi-disant tout droit de votre pote Fredo en vacances à Courchevel. Ah oui non, pas tout à fait, puisqu'il s'agit de l'agence Hera Jourdain. Qui, à la place de notre adresse, met la sienne, glissement identitaire qui fait toujours plaisir et en dit long sur la sympathie profonde qu'ils ont pour leurs clients. C'est donc une vraie fausse carte postale qu'on reçoit dans notre boîte aux lettres, qu'il ajoute vie réelle et copain copain, comme nos amis Michel, Augustin ou Innocent, à coup de salut, petit coucou, Frédéric lemaître appelez-moi Fredo, jusqu'à la bise. Prénom confondu à leur adresse rue Frédéric lemaître on nage en pleine théorie parano du remplacement à la Body Snatchers. Bref, tutoiement de bon loi, petite injonction à les contacter pour une estimation gratuite, histoire de vous en foutre encore plein les fouilles à l'instar de l'ami Fredo. On peut penser que ça tape une classe sociale aisée, Frédéric, prénom assez cinquantenaire à vue de graphique, qui passe ses vacances à ski à Courchevel, plutôt haut du panier donc, mais c'est aussi peut-être ceux qui se rêvent là-même qui sont visés. Courchevel ou tout un vieux rêve de réussite, comme on peut le voir dans cet extrait d'Attention Danger Travail. On arrive dans une. Une famille très modeste, bon des adorable. adorables. Hein. En gros, on leur a collé un salon à 43 000 francs avec un crédit sur 10 ans pour un type qui a gagné 7 par mois. Quoi. Comme tout le monde, quand on n'a pas beaucoup de, de, de moyens, ben on rêve effectivement d'un jour euh, d'accéder à cette consommation euh, qu'on nous balance toute la sainte journée à la télé, etc. au travers des publicités. Bref, une petite touche de misérabilisme n'est pas à exclure ici. C'est intimiste, on peut tous se faire prendre la première fois, l'image est bel et bien aussi ringarde qu'une vraie carte postale, et c'est écrit à la main, de plus en plus tassé pour que tout rentre, plus vrai que nature, chapeau l'artiste. L'indice comme quoi il s'agit d'une réclame est bien caché, il faut le temps de saisir à quoi on a affaire, c'est du porte-à-porte -porte sans avoir à payer un démarcheur, et encore plus intrusif, c'est plus le pied dans la porte, mais la lettre dans la fente. La publicité par courrier, ça n'est pas neuf, mais on a désormais droit à de vrais spams qui se font passer pour nos potes dans notre boîte aux lettres, pas du tout virtuelle. On retient sans doute plus l'idée que la marque ou l'entreprise, à peine évoquée ici, et dans certains cas même pas nommée, parce que, semble-t-on vouloir dire, en toute honnêteté, seul le produit compte à présent. Bien sûr, on peut aller plus loin dans la confusion avec le réel, et c'est ce qu'on va voir dans cette publicité maquillée en mini-série, format hyper court, style parent, mode d'emploi ou encore scène de ménage, dont voici la bande annonce. Ça vous dirait de connaître la recette d'une famille parfaite mmh. Prenez d'abord beaucoup d'amour. Oh. T'as encore oublié mon anniversaire Chérie, attends mmh. Qu'est-ce que je fais de la compréhension. Je ce que je veux faire. Mmh. Du sang froid. Mmh. Et un peu d'agilité. Mmh. Sans oublier un enfant bien élevé. Mmh. Mmh. Maman, mmh. maman, maman. Et délicat. Remuez le tout énergiquement. Oh. Mettez un peu d'or. Oh. Ah. 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 Ajoutez un soupçon de couleur. Ah. Saufoudrez le tout d'amis Discret. Taisez-vous Sans oublier un zeste de maturité. Ah. Sophie et Pierre, retrouvez-les dès le 8 mars sur tous vos écrans. Oh là là. Et voilà, c'est nous. Ici, tout va bien. Enfin, presque. On a donc affaire à une bande-annonce assez lambda dans le genre Meet the Machin Truc. Meet Danny. Oh, He's a kid looking for a dad. A base de personnages de la vie de tous les jours, aux défauts imparfaits de héros anti-héros, la convention voulant qu'on ne s'attache pas à un héros parfait, quoi que ça veuille dire. Ici, chaque plan sert à montrer ses gens proches de vous, à démonter par l'image ce que texte ou voix off annonce. Oui. Prenez d'abord beaucoup d'amour. Oh. T'as encore oublié mon anniversaire Chérie, attends oui. Du sang froid. Ah. Sans oublier un enfant bien élevé. Couple parfait, mais pas trop. Enfant bien élevé et délicat, mais pas trop. Oui, non, oui, non. Injonction paradoxale on les aime passionnément. À la folie, pas du tout. Bref, le bonheur presque parfait, comme dit madame. Ici, tout va bien. Enfin, presque. Une vraie révision hollywoodienne qui ne prétend plus nous la faire à coup de bonheur éternel. Comment va votre mariage Est-ce que maintenant tout est parfait Surtout pas. On sait que le secret du bonheur, ce n'est pas la perfection. Être parfait, ce n'est pas le bon moyen. Famille parfaite et normative qui fait semblant de ne pas l'être, le tout saupoudré d'un vocabulaire de cuisine et implicitement donc de produits alimentaires. Remuez le tout Ajoutez un soupçon de couleur mmh. saupoudrez le tout d'amis. Discret sont-ils coquins à nous mener en bateau pour mieux nous ramasser avec leurs bobos trentenaires, qui ne sont ici non plus sûrement pas l'unique cible de la marque, et si vous n'avez pas encore saisi de laquelle il s'agit, c'est normal, ça n'est dit à aucun moment. Et lorsqu'on a découvert cette publicité au cinéma, aucun autre spot complémentaire, comme on fait aujourd'hui, ne le précisait. C'est en tombant sur cette affiche qu'on comprend enfin qu'il s'agit de Lidl et de sa campagne autour d'une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Sophie et Pierre ou Charles et Alice, peut-on faire plus lambda que ça C'est Pierre et Hugo qui se le demandent. Bref, encore une publicité décrivant des gens aisés pour faire rêver les pauvres et la classe moyenne. C'est présenté comme bande annonce, donc on ne soupçonne pas l'entourloupe et comme nous, d'autres internautes ont d'abord cru à une série télé passionnante, originale, subtile et socialement pertinente. Ça va de soi. S'en suivent des mini-épisodes de 30 secondes, déjà plus proches d'une publicité classique, petits sketchs répondant à une offre hebdomadaire, forçant à suivre la série non pas pour l'intrigue captivante, mais pour connaître les réductions sur tel ou tel produit, comme pour un jeu freemium ou pay-to-play, style Candy Crush, auquel on ne joue pas pour la qualité de game design, mais du fait d'artifices et appendices poussant à la consommation, jeux gratuit souvent riches en publicité d'ailleurs, qu'il faut parfois regarder pour s'obliger à continuer de jouer. Ce ne sont plus des pièces qu'on met dans la machine, mais du temps, et comme dirait l'adage, le temps, c'est de l'argent. Ici, ça serait plutôt si c'est gratuit, c'est toi le produit. Comme avec les journaux type 20 minutes ou direct matin, à l'évidente neutralité d'actionnaires majoritaires type Bolloré, mais le lien entre médias dominants et milliardaires est un autre sujet vaste. Achetez donc plutôt le parisien du groupe LVMH pour une presse intransigeante et libre. Et pour l'heure, revenons à nos moutons. Comme pour la carte postale ERA, le mode opératoire est plus neuf que le fond, à l'image de certains nouveaux pseudo-partis. Idée supposément rafraîchie de la même vision libérale dont on nous bassine, la révolution, la vraie, on y croit. Bref, les publicités Lidl ressemblent à pléthore de sketchs familiaux pour vendre de la bouffe à base déjà parfois de personnages récurrents, mais ce qui est intéressant ici, c'est le dispositif global avec un site dédié, des interviews, le vlog d'un des protagonistes et même un making-of qui sonne aussi faux que le reste. Un ensemble de pièces où se dessine assez un idéal social d'une absence d'originalité digne des mini-séries dont on s'inspire manifestement ici. Peu éloigné de ce que peut nous vendre la télé-réalité, du vrai, du vous, du nous, comme d'habitude, famille prototypée, couple depuis 9 ans et fils unique de 7 ans, a priori ça va bientôt péter, c'est moi qui vous le dis. Avec une femme à l'esprit libre et artistique, d'où les fautes d'orthographe sans doute. Qui fait du yoga, aux parents 68 art rentrés dans le rang, mais cool, entre guillemets, hein. donc cool, l'échafon pas des chiens, comme il dit sur le site. Elle est bordélique, mais c'est quand même elle qui fait la cuisine, s'occupe du gosse et fait tout dans la maison. Mais en même temps, je suis super responsable, c'est moi qui m'occupe de Pierre et Tom. C'est un peu moi qui fais tout. Une originalité débordante, on vous dit. Marie procédurier qui veut tout contrôler. J'aime bien que moi que les choses voilà, soient, soient prêtes. Ingénieur issu d'une famille de dentistes coincés, l'échafon pas des chiens bis. Femme au foyer artiste et homme carré mais stressé. Bref, Vénus et Mars Upgrade 2017, avec un gosse qui n'est qu'un enfant. Bah je ne sais pas, je suis un enfant. Texte qui pulle naturel, pas du tout écrit par un adulte. Enfant rigolo, curieux et plein d'énergie. Je suis curieux, je, je suis rigolo et j'ai plein d'énergie. Sur un ton plein d'entrain et qui aime bien les voitures. Petit garçon prototype aussi, donc. Sans oublier plein d'amis avec qui faire la fête, en montrant bien qu'on emmerde la voisine coincée, donc qu'on est forcément par opposition un peu dingue, Entre guillemets encore, les guillemets sont importants pour que ça devienne une qualité. L'ami noir mais clair quand même. Le pote pseudo-hipster. La plus belle fille de l'école et le chien, bien sûr. Clé de voûte familiale dont la famille hollywoodienne parfaite ne peut se passer. Le tout dans un immense appart parisien de cinéma. Appartement lyonnais d'après le site, même si on y croit moyen vu la déco. Ici c'est pas le fric qui manque, et de toute façon, en publicité ou au cinéma, même les pauvres ou la classe moyenne habitent vite dans un palace. Bonsoir, Bonsoir les pauvres. pauvres Bienvenue à Soyez Palace chez vous, vous. On gagne en confort de l'équipe technique, ce qu'on perd en crédibilité et réalisme social, bref. L'étape suivante serait peut-être l'émission télé-réalité produite par une marque avec une famille filmée directement chez elle, mais on va pas non plus leur donner des idées. On peut aussi parler du délicieux frisson de série Z qui parcourt leur site avec ce que j'appellerai la règle des points de suspension. Prenez n'importe quelle jaquette de film un peu trash à 1€ euro dans les bacs d'un cash converter, easy cash, etc. et comptez les points de suspension pour savoir à quelle sauce vous allez bouffer l'hémoglobine par la racine. Plus il y en a, mieux c'est, évidemment, pas de demi-mesure. Il y a des contre-exemples les points de suspension n'empêchent pas toujours le génie. Enfin bref, même chose ici. Point de suspension et guillemets sont là pour arrondir les angles, créer du suspense, du un peu foufou mais pas trop, un peu cool mais plus tellement baba, ce petit grain de folie sympa des nouveaux patrons dans le vent par exemple. On a aussi ici une illustration parfaite de l'amour fraternel qui unit la France dite d'en haut et dite d'en bas. Famille de dentistes et de babacoul qui bouffent ensemble le dimanche dans la sérénité la plus totale et sans engueulade politique aucune, dont le mariage des enfants symbolise la grande union nationale dont on nous rabat le caquet, ni droite ni gauche, famille idéale à la Macron. Même si ici c'est plutôt droit comme un i et gauche comme une réclame poussive. L'esprit 68 peu à peu devenu conservatisme. On est plein pot dans le nouvel esprit du capitalisme décrit par le livre homonyme besoin des années soixante que l'économie de marché a su se réapproprier besoin de liberté besoin artistique subtilement retourné contre eux-mêmes à l'instar de ces hiérarchies verticales devenues dit-on horizontales offrant une liberté bien cloisonnée après tout la liberté c'est l'esclavage comme dirait l'autre dans cette campagne on peut peut-être aussi voir la réponse à une solitude toujours accrue un besoin de vivre par procuration une famille rêvée des amis de tous les jours vraiment chouettes, registres sur lesquels pléthores de séries ont su jouer, et dont en France, Plus Belle la Vie, aux épisodes quotidiens en flux tendu pour suivre la marche du monde, et La Consécration. L'Idol, groupe qui prétend faire peau neuve, s'adresse ici notamment à une classe moyenne plus ou moins aisée, qui veut manger bio pour pas trop cher non plus, exit les plus modestes. D'après des témoignages du dernier numéro de Fakir notamment, la multinationale ne traite apparemment pas ses employés de manière exemplaire. Burnout, licenciement abusif, entreprise leader dans les condamnations pour non-respect du temps des pauses, ils n'en sont apparemment pas à leur coup d'essai, espionnage d'employés littéral avec détectives et caméras cachées, conditions médiocres des travailleurs de plantations d'ananas et de bananes qui fournissent la marque, des méthodes pas étrangères à la misère sociale d'une classe qu'ils ne prétendent même plus nourrir. En somme, less is more. pour les employés comme dans leur com donc, publicité cachée derrière un simulacre de divertissement télé lambda qui prend le temps d'attirer une proie déjà trop rodée aux anciennes techniques, réclame qui devient tableau sans même la signature, c'est le cran au-dessus, anonyme et omniprésente, encore plus félone, comme sur ce vrai faux vlog fromage à base de néant. On vlog. Hein. Alors certaines personnes et je dis pas ça que pour Sophie, ne savent pas découper le fromage. Plus de marque, plus rien. Et c'est bien ça l'essentiel. L'intérêt, c'est cette description d'un quotidien, d'une habitude, d'un foyer, d'un système de vie entier où la consommation est tellement naturelle qu'on n'a pas besoin d'en nommer l'enseigne. Comme dans les fausses interviews, avec ce vlog, le personnage de fiction trouve une expression incarnée dans le vrai monde toujours plus vrai, et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Leader, le vrai prix des bonnes choses. Ces images sont vraies, quoi que cela veuille dire, et puisqu'elles sont vraies, elles parlent de l'humanité, de nous, elles nous parlent. On est encore et toujours dans une recherche d'intimité, comme pour les publicités qui font copain-copain dont on a déjà parlé, ou comme lorsque le groupe Lush nous informe sur toute sa chaîne et sur chacun de ses employés, par exemple. Évidemment, des publicités qui jouent l'effet de réel, il y en a plein. Il y en a même qui vont encore plus loin dans le vrai de vrai, avec vraies interviews véritables, de vrais gens parfaitement normaux pris au hasard. Micro trottoir, documentaire reportage émotion pour la marque Kleenex, entre autres publicités parmi les plus virales de l'année 2015, semble-t-il, ou encore interview vérité plus vrai que vrai que blanc, à coups de larmes et violonades au piano, toujours garantie par le cadre d'une pseudo expérience sociologique pour la marque Ikea caution vérité à fond les ballons, à base de personnes qui ne jouent aucun rôle, sinon celui que la société et les publicitaires leur prêtent, mais bien souvent tout ça est encore plus faux qu'un vrai faux vlog fromage, qui lui reste assez sobre au fond, là où les publicités pour Kleenex ou Ikea évoquées juste avant ne se privent pas d'effets de montage cut, recadrage émotion, ou piano dithyrambique, entre autres outils de séduction et de mise en scène très réfléchis. On s'attardera sur ces réclames prétendument hyper réalistes dans une autre émission, mais au fond, derrière la peau un peu neuve et originale, c'est en fait très classique en termes de mécanique publicitaire. La mini-série entre le JT de 20h et le film, par exemple, comme le cartoon ou les actualités avant le film au cinéma américain d'antan, est déjà un produit aidant à faire couler les minutes de publicité plus rapidement, garder le spectateur éveillé, le goinfrer de réclames plus efficacement, et bien sûr, savant toute une idée de la famille et du couple, classe moyenne et plus, parce que. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bref, on se croirait chez soi, dans l'image publicitaire d'un peuple français vu par Hollywood. Ici, avec l'idole comme producteur, on a presque un aveu signé sans contrainte de ce que sont véritablement ces mini-séries, héritières en ligne droite des petits formats comme Du côté de chez vous, qui, bien avant Kleenex ou Ikea, jouaient déjà la carte du vrai vrai. Procédé pas tout à fait neuf non plus, donc, même quand sur la forme ça semble nouveau. Du côté de chez vous, dont le temps de publicité Le Roi Merlin avant et après l'émission n'était pas comptabilisé dans le temps légal de diffusion, format qui permettait de se faire voir un peu plus tout en proposant une émission express servant déjà à garder le spectateur éveillé, du côté de chez vous donc, qui jouait déjà la convivialité en s'immisçant littéralement chez vous, est désormais un site internet avec page Facebook, et c'est devenu, je cite, un lieu de rencontre et de conversation entre passionnés de la maison, qui sont ici pour parler d'eux-mêmes, sous l'œil bienveillant de Leroy Merlin, à l'écoute de ses clients rois. La mode est visiblement à la peau neuve, au bonheur des serpents, mais en dehors de la forme, rien ne change, ça empire plutôt, si tant est que ce soit possible. Par exemple, toujours dans un même esprit de parler vrai, on trouve cette publicité pour Intermarché. Court-métrage de 3 minutes, parce que 20 secondes de spot ne suffisent plus à exposer des idées toujours aussi éminemment complexes, on l'a vu. Clip braqué sur le quotidien, la vie, la vraie, dont le titre ne va pas par quatre chemins, l'amour. L'amour, C'est un printemps crainti. Une lumière attendrie, ou souvent une ruine. Campagne annuelle et Saint-Valentin pour le prix d'une. C'est relativement original en tant que petit film et ça emploie le ressort du coup de foudre, facilement croisé à celui de conte de fées. Vaste motif et sujet qui concerne aussi la publicité pour voitures, chocolat, parfum, café, etc. Qu'on verra un peu ici et qu'on creusera peut-être dans une future vidéo, mais assez de teasing. Pour l'heure, parlons de l'amour, le vrai, le grand, le clip. De 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 on trouve donc une bande de jeunes foufous, au quota noir qui fait bien, à l'image d'un certain consensus télé favorisant une sacrée mixité des couleurs de peau, ça se sent, noir dont le rôle ne sert ici qu'à éclairer les personnages blancs, comme souvent, soulignant qu'il s'agit de Jones un peu bébête, mais pas raciste, bousculade pas méchante, on s'excuse même d'un geste, c'est pas les mauvais bougres, mais par contre qu'est-ce qui bouffe mal Bon, tu me diras, normal, c'est des jeunes, fast-food, pizza, burger USA, on n'a jamais vu une telle euphorie des courses, il y a sûrement une grosse fiesta derrière. Moi, je me marre jamais quand je l'ai fait, mais bon, je suis vieux et con. Et là, c'est le drame, à la française ou à la franc-hollywood, le mythe du coup de foudre que les Elmer Foodbeats n'auraient pas mieux chanté. C'est la On vous arrête tout de suite, chez Intermarché, c'est Candide. Regard, contre-champ, instant de grâce, jugement de valeur aussi, hein. C'est bien pour commencer une idylle, surtout de la part d'une marque qui vend ses mêmes produits en disant en substance qu'ils ont du dégueulasse ou du potable, selon qu'on est jeune con ou jeune con amoureux, qu'ils font leur beurre sur la malbouffe des autres, trop vert et bon pour les goujats, tels des dirigeants d'Apple qui interdiraient le iPad à leurs enfants. Anguille sous roche, sous l'effet réalisme social, classe moyenne et gros appart colocation faisant, c'est bien sûr aussi le conte de fées que l'on trouve ici. L'intérêt est dans l'articulation des deux, du réel vers le conte. La vie est un vrai conte de fées. La caissière remplace la bergère du conte traditionnel, la mal-aimée rivée aux taches infernales qu'une marâtre furie lui collait, mais, réalisme social oblige encore, le prince arrive d'estrier blanc-carlage, dentition émail diamant château et tutti quanti, tu vois bien que ça valait le coup d'attendre toute ta vie sans te plaindre, ils consommèrent heureux le restant de leurs jours et eurent beaucoup de consommateurs enfants rois. Compte jusqu'au bout des ongles, où la souillon n'a pas eu à échanger un mot avec monsieur prince roturier, pour savoir que c'était lui, c'était elle, comment mieux débuter une relation qu'en un silence assourdissant Eh bien, en chanson, bien sûr, et au supermarché, à la musique de fond abruti qui pousse à la consommation, le héros suit la règle au pied de la lettre dans cette histoire d'amour avec une marque qu'on pourrait sans doute encore mieux nous vendre à Noël. D'ailleurs, ce n'est pas un pur silence de souffle coupé par la passion. On entend les garçons discuter. Parce qu'en bon pubard, l'idée du spectateur trop con pour comprendre est toujours un peu là sans doute. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Et impossible de ne pas faire parler un minimum les personnages pour bien appuyer le propos, donc il s'agit de faire du bruit. En plus, ça crée de l'attachement, il paraît. Le tout sur une chanson continue en arrière-plan, comme dans un supermarché. Par contre, c'est unidirectionnel. Le client est roi, mais la caissière bergère. L'employée de la marque est la seule dont on n'entend pas la voix, gentille fille de conte de fées toujours silencieuse pour combler son homme encore, femme générique idéale, interchangeable, intermarchable. Normalement, à la fin du conte, la fiancée mutique se remet à parler, mais là on est dans la réalité. On n'entendra donc pas une seule fois la bergère, trop heureuse déjà de filer sur son blanc d'estrier. D'ailleurs, quand par le hasard extrême de l'adaptation d'un livre à succès on entend des caissières au cinéma, c'est très vite par le truchement d'actrices belle de belle ou luxe de luxe l'une jouant ici une journaliste sous couverture et l'autre rodée au rôle de femme en difficulté alors admettons. Le film « Les tribulations d'une caissière » donc, aligne lui aussi dès le départ les symptômes du conte. Dessin animé, magie de Noël, prince charmant, musique elfmanienne à base de clochettes, Hollywood à gogo. Coup de foudre muet encore pour rencontrer du prince enchanté et magique dans la nuit enneigée, il paraît que l'amour rend aveugle mais devenu consommateur idéal on y perd visiblement aussi la voix, Bref, la vie de caissière, c'est un vrai conte de fées. On joue bien sur tout ça pour donner une touche amère. Sauf que quand on est caissière, on n'y croit pas au conte de fées. Parce que toi t'as rien pas en sûrement. Enfin, on y croit un peu quand même parce que Noël et le cinéma font des miracles. Un miracle. Et eh ben je crois qu'il est là, le miracle. Elle est pas belle la vie, hein Elle est pas belle la vie. Bref, les pauvres et les riches, qui dans ce film ont nom Augustin, Ferry, Charles, etc., font la fête ensemble. Chez les pauvres, qui régalent tout le monde, faut pas déconner non plus. Un peu de réalisme diantre, et tous s'embrassent même d'amitié franche, la France est sauvée, réunie à nouveau dans une grande bouffe fraternelle finale à la Astérix. Ce mouvement, nous le porterons ensemble Rien qu'à l'image, le drame social est devenu conte merveilleux qui endort la méfiance, où tout finit bien dans le meilleur des mondes et des supermarchés, à part peut-être dans le film La loi du marché, un peu moins haut en couleur, mais chute. Le supermarché, c'est la joie de vivre à chaque coin de rayon. Le héros du clip L'amour y apprend d'ailleurs la vie. La vraie. Parce qu'évidemment, face à l'abandon des familles et de l'école dans l'éducation, l'industrie se doit d'intervenir. Intermarché le fait réfléchir, découvrir le monde, les poissons, l'aventure, comment choisir un melon mûr, cuisiner mieux, s'habiller, grandir quoi. D'ailleurs, ça va plus loin dans le fondamental et l'accompagnement à travers la vie avec Monoprix et son clip Les drôles la vie. Où le langage n'est plus qu'emballage, l'emballage même des produits. Plutôt que parler ou écrire une lettre, on compose notre langage à partir des produits mêmes. On ne crée plus, on récupère, et là encore le mutisme fait loi. Sur fond de Britpop, pop, balade gentille infinie de supermarchés encore, pas besoin de parler, la marque et les produits le font à notre place, pour nous libérer bien sûr. Comme chez Intermarché, la consommation est vecteur d'amour et d'idylles naissantes, parce que grâce à eux on n'est plus timide ou coincé mais entreprenant, la niaque. Avec petit retour à la réalité au final, la vraie, sans musique. Plus froide qu'un monoprix où les emballages de la marque reconnectent passé et présent, la fille a gardé les coupures du garçon toutes ces années. Moi je vois ça, je pars en courant, mais bon. Et en 15 ans, la charte graphique de la marque n'a évidemment pas changé, permettant aux enfants devenus grands de se reconnaître, se retrouver, se révéler à eux-mêmes, dans un effet de destinée magique intemporelle et une course folle de comédies romantiques passionnées qui font chaud au cœur, au cœur de la ville, de la vie. Avec tout ça, c'est sûr, votre vie n'aura jamais été aussi bien remplie. Pour un peu, on se croirait dans Invasion Los Angeles, les lunettes, le subliminal et les vilains aliens en moins. Même plus besoin de cacher le rêve consumériste. Mais bon, c'est sûr, votre vie est remplie. Et depuis le cinquième élément, on le sait. Seule la vie est importante. Bref, viva Superette, mutisme en musique, l'homme agit, la femme attend, puis disparaît avec suspense et revient, dénouement bonheur, supermarché sauveur, Monoprix ou intermarché école de la vie qui vous remet dans le rang à coups de bons produits, à l'instar des parents de la Sophie de l'idole, rentrer dans le rang itou, parce que l'excentricité ça va bien 5 minutes mais bon, faut être sérieux un peu. Intermarché qui comble le ventre et le cœur, moteur des désirs les plus simples, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la caissière, histoire d'amour, parce qu'on ne veut pas juste nous vendre des produits, il faut qu'on les aime eux, les supermarchés, comme les employés sont aujourd'hui tenus d'aimer leur patron. Il ne suffit pas de lui obéir, il faut l'aimer et tout ça est tellement plus vrai que nature que le dispositif publicitaire prévoit l'interaction avec les spectateurs qui pourront changer le texte final que Bogos Muet offre à Belgos Silence, soyez beaux et taisez-vous. C'est plus les personnages qui sont privés de leurs propres mots, ce sont les spectateurs eux-mêmes, acquis à la cause, qui peuvent désormais apprendre à parler supermarché couramment. Bref, vous l'aurez compris. C'est nul. En somme, on aura eu la joie et le bonheur, à ne pas confondre, de revivre à travers ces clips tous les moments magiques de nos vies passionnantes, enfance dorée monoprisonnière, premiers émois d'ado attardés rentrés dans le rang intermarchable, enfer du couple à l'idylle Lidl, -Lidl enfermée, après quoi on imaginera divorce Leader Price et retraite paisible, les vieux ont les fous dans le dia du coin, ils sont contents. Parcours parfait du plus chic au plus choc. Nous on voit peu de différence entre le prestige monoprix et l'effet populace d'un leader ou d'un dia, mais bon paraît qu'il y en a une, alors on va quand même pas dire le contraire. Les publicités sont déjà partout, mais pas encore assez, elles infiltrent des domaines toujours plus intimes, certaines œuvres de fiction entre 1984 et Running Man s'en moquent d'ailleurs, et la publicité se réclame parfois même œuvre artistique. On reparlera de la danse macabre entre art et publicité dans une prochaine émission. McDonald's, La Poste ou Duracell entre autres ont créé des émoticônes spécifiques à leur marque. Même le SMS n'est plus sûr. Matraquer l'air de rien à chaque recoin du quotidien. La publicité se transforme en permanence dans une proximité aiguë, cachant parfois une réalité moins jouasse. On redore alors son image avec une vraie fausse mini-série sympa répondant à la supposée demande gonflée aux stéroïdes par le monde télévisuel, notamment, de divertissement pour se détendre sans réfléchir. Et simultanément, on vend notre soupe. Bref, on fait d'une pierre deux coups et on a Sophie en prime. S'attarder sur ces plus ou moins nouvelles formes nous paraît important car plus le capitalisme est remis en question, plus il se renforce. Il faut être vigilant face aux réponses qu'il trouve à l'expression de besoins ou d'élan de moins en moins compatibles avec le néolibéralisme, besoins notamment politiques, éthiques, moraux, difficilement convertibles. Face au développement d'une pratique végétarienne, végétalienne ou végane par exemple, McDonald's peut désormais se vanter d'avoir un hamburger végétarien à son menu, ajouté suite à une pétition. On les aurait cru plus malins, McDonald's, drôlement long à saisir ce marché, ou les signataires de la dite pétition, qui, partis sans doute d'un bon sentiment, peuvent désormais manger végétarien en soutenant une industrie agroalimentaire dévastatrice, écologiquement, et à l'origine du meurtre de millions d'animaux. On a vu des marches plus véganes, mais bon, aujourd'hui le Front National défend parfois les droits des homosexuels, donc tout est possible. Enfin, seulement parfois, hein Les vieilles habitudes ont la peau dure. La publicité comme la société évolue doucement. Attention donc, comme la grenouille qui se laisse, dit-on, ébouillanter si l'eau chauffe peu à peu. Attention à ne pas être nous aussi bientôt ou déjà à point, à coups de loyers et de prix de la vie qui grimpent petit à petit, état d'urgence repoussé bout par bout, etc. etc. Aujourd'hui le capitalisme annonce une société loin des structures étouffantes à hiérarchie verticale, vers de nouvelles formes faussement horizontales et créatives, où l'on est libre de se faire exploiter plus longtemps, où l'on doit s'adapter à différents postes, ne plus suivre des ordres, mais participer à des projets. Parce qu'autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant les faire chier à des gars qui ont un projet, c'est vraiment pas sympa. Le tout, sur des périodes plus ou moins longues, CDI disparaissant petit à petit, et avec nos seuls acquis sociaux actuels, face à ces nouveaux dispositifs, on perd de fait des droits, sans même parler des attaques au code du travail passé et futur. Il y a des solutions, l'intermittence du spectacle dans les domaines professionnels non sinistrés, permet par exemple de garder un niveau de vie correct tout en étant adapté à ce supposé monde de projets, et on ne vous cache pas qu'on écrit ces émissions en partie sur nos ascédiques. Alors nous, on veut bien un monde flexible où chacun fait plein de projets, enfin sur tous les projets des autres en général, mais dans ce cas l'intermittence doit s'envisager pour divers métiers flexibles, précaires, ou même ni l'un ni l'autre, chacun devrait simplement pouvoir choisir un mode de vie qui permette de s'épanouir le plus possible, et non se le voir imposer selon le corps de métier dans lequel on exerce. Si certains veulent tellement que des gens entreprennent des projets, on n'a rien contre, c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Certes, on n'a peut-être pas le style d'entrepreneuriat attendu, chiffre d'affaires zéro, mais à force de s'adapter à leur monde, à divers postes, on apprend aussi à apprendre vite, et on devient assez flexible pour les critiquer. Finalement, on devrait peut-être presque les remercier, ces chantres du travail, travail, travail. Voilà, c'était la troisième émission de Suplicité Publiminale, avec, encore une fois, pour aller plus loin, le film C'est arrivé près de chez vous. Bon film. À ne pas confondre avec Du côté de chez vous, film qui, côté interview vérité, surclasse sans doute tout ce qu'on vient de voir, et qui, en son temps, avait déjà bien pigé comment jouer la corde sensible avec ici notamment famille, couple et enfant. Je n'aime pas l'infanticide. Pourquoi L'enfant ne rapporte rien, lui. Enfin, pour finir, côté papier, il y a donc Le nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanski et Eve Chiapello, très bien résumé dans cette vidéo du Stagirite, livre de 950 pages, on n'arrondit pas à 1000, c'est pas vendeur, et puis 950, ça fait un peu moins peur. Pavé, certes difficile d'accès, on l'a même pas lu en entier ni tout compris, mais le peu qu'on a pigé est très intéressant, et d'ailleurs, comme dit Franck Lepage. Quand tu l'as lu, tu t'es acheté un revolver, hein. t'as un flingue, je veux dire, c'est une arme. Puis là le mec qui l'a pas lu en face, il a intérêt à s'accrocher parce que tu vas lui en mettre plein la gueule. Non, c'est excellent. Si ça vous a plu, ben je vous invite à visionner bientôt mon deuxième épisode. Je vous remercie et à bientôt.